Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours, et ce, tout le mois d'avril, vous pourrez découvrir du lundi au vendredi des vidéos, conseils ou des interviews d'entrepreneurs inspirants. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, sachez que je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'accompagne les entrepreneurs du monde de demain. Si cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement, afin de vous abonner à ma newsletter hebdomadaire. Chaque semaine, je vous envoie un email avec des conseils, avec des histoires de mon vécu, afin de vous inspirer et de vous aider dans votre cheminement pour devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vous parle de quoi je vous parle aujourd'hui. Ah si, ça y est, je sais. Pourquoi entreprendre, les trois bonnes raisons. Générique. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Je ne sais pas si vous êtes dans une situation où, quand vous arrivez le lundi au travail, vous vous dites vivement vendredi. Peut-être que vous êtes aussi dans cette situation où vous vous dites vivement la retraite. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où vous vous dites, tiens, est-ce que la solution serait, pourquoi pas, d'entreprendre ? Entreprendre un rêve que vous avez depuis des années, ou entreprendre une idée entrepreneuriale que vous avez depuis peu. Parce que vous avez pu observer dans votre environnement, vous avez observé des choses sur votre marché, où là vous vous dites, tiens, peut-être qu'il y aurait un créneau à prendre. Et bien justement, j'ai envie de vous dire que la raison, peut-être que c'est le moment d'entreprendre. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, on va voir pourquoi entreprendre. Parce que le risque, c'est que le fait de rester avec un rêve ou avec une envie qui n'est pas assouvie, eh bien, c'est de nourrir une certaine frustration qui peut durer comme ça durant des années. Et de par mon expérience et aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, toutes les personnes qui ont entrepris, justement, m'ont dit, mais tu sais, attends pas des années avant d'entreprendre. Pour vous raconter juste une petite parenthèse, histoire de raconter, c'est la minute où je raconte ma vie. Quand j'ai eu 28 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien entreprendre. J'ai rencontré une personne qui m'a dit, qu'est-ce que t'attends ? Bah, je lui dis, je me sens pas prêt. Je pense que je vais attendre encore quelques années. Il me dit, tu sais, si t'attends encore quelques années, peut-être qu'à un moment donné, t'auras 40 ans, t'auras pas l'énergie que tu as aujourd'hui à 28 ans. Et c'est vrai que ce message, je l'ai vraiment pris comme un message sérieux. Et 2 ans après, j'ai entrepris. Voilà, donc j'ai pas attendu d'avoir 40 ans ou d'avoir toute l'expérience nécessaire pour entreprendre. Alors, voilà aujourd'hui les trois raisons pour lesquelles vous devez entreprendre. Alors, sachant que c'est ma vision du monde, hein, c'est ma vision des choses. Alors, la première raison, c'est le fait d'avoir la liberté de choisir. Et comme j'aime bien dire, vous avez la liberté de choisir vos problèmes. Là, c'est pas votre patron qui vous donne, qui vous délègue ses problèmes, c'est vous qui les choisissez. Donc, du coup, vous devenez responsable. Et ça, c'est vraiment pour moi un avantage. La deuxième chose aussi, c'est que vous avez cette liberté de choisir les collaborateurs avec qui vous souhaitez travailler. Et vous avez aussi la liberté de choisir ce que vous voulez faire. La liberté de choisir l'activité dans laquelle vous voulez évoluer. Et croyez-moi que c'est vraiment un avantage parce que quand vous vous levez le matin et que vous faites un travail qui vous plaît, eh bien justement, vous verrez que ça apporte beaucoup de bien-être. La deuxième raison qui, pour moi, peut justement être un énorme avantage au fait d'entreprendre, c'est le fait de reprendre la main sur tout votre temps. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes entrepreneur, vous avez déjà, la possibilité, selon l'activité que vous faites bien évidemment, de choisir les horaires que vous aurez envie de faire. Deuxièmement, quand je parle de reprendre la main sur la totalité de son temps, c'est dans le sens où le jour où vous avez des rendez-vous personnels, des rendez-vous pour votre vie familiale, par exemple, ou par exemple si vous devez aller à la banque, à la mairie, voir des administrations qui sont ouvertes du lundi au vendredi avec des horaires en général assez courts, eh bien, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin de prendre une demi-journée ou une journée de travail sur votre temps de vacances pour pouvoir aller faire ces rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et le troisième avantage, c'est le fait de vivre de ce qui vous passionne. Et ça, c'est un avantage qui est juste énorme. Et il y a une petite phrase que j'aime bien qui dit « Trouvez une activité qui vous passionne
et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. Donc du coup, le message, il est là. C'est qu'à partir du moment que vous avez quelque chose, vous avez une activité aujourd'hui qui vous passionne, peut-être que vous le faites à côté de votre travail, eh bien, si vous commencez à vous dire « Ok, cette activité, je vais l'entreprendre », et qu'un jour, parce que vous vous serez donné les moyens et vous vivrez totalement de cette activité, eh bien, vous pourrez voir que là, vous lèverez le matin, donc le fameux lundi matin, où vous ne vous direz pas « Vivant vendredi », parce que vous vivrez totalement le présent de ce que vous faites et vous sentirez un bien-être. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles je peux que vous inciter à entreprendre. Donc la première, c'est la liberté de choisir, la liberté du choix. La deuxième, c'est de reprendre la totalité reprendre en main la totalité de votre temps. Et la troisième, vivre de ce qui vous passionne. Voilà, j'espère que ce tuto vous éclaire un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles vous pouvez entreprendre. Je le répète, si vous voulez suivre mes emails hebdomadaires, je vous incite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et en attendant de se revoir demain, je vous souhaite une agréable journée. Ciao !